Hein? Prenez vos sacs. Attendez un peu. Vous êtes les bienvenus dans ma parcelle. Titi, où sommes-nous? Ma maison. Ta maison? Mm-hmm. Dis-moi, Chichi, tu vis avec qui? Un colocateur? Je n'ai que les sécurités. Je n'ai pas de colocataire. Mm-hmm. Tu as personne. Tu vis seule ici, dans cette maison. Oui. Mon ami, tu as gagné la vie. Sincèrement. Ce jour devant Dieu. Tu vaux beaucoup. Hey, c'est pourquoi j'aspirais à te rencontrer pour ce genre de choses. Joy! Vous devez entrer à l'intérieur parce que vous, les filles, vous commencez déjà le travail. Demain matin, nous irons au travail. Allons-y. Hé, hey, mon Dieu! C'est comme ça? Hey, oh, l'application n'y est pas. Hé, mon Dieu! Tu es ma meilleure amie. Non, c'est pas vrai. Oh, en tout cas, quelle mon chance Dieu. Pour nous. Vous êtes malade. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. En tout cas, je suis très contente. T'es mon nouveau travail. Jetez-vous dans la maison. Quelle on va hisser la maison. Aïe. Entrez. Waouh. Oh non. Faites vite les filles, nous sommes en retard. Aouli, Eberre, Kirou, faites vite, non? Vous êtes très jolies. C'est le temps de bosser. Putain de merde. Salut les filles. Salut madame. Salut. Je vous ai appelé ici pour vous présenter des nouvelles qui sont avec nous. D'accord. Elle c'est Angolais. Angolais. Bienvenue. Merci. Elle c'est Inkiwo. Je suis Kiro. Salut. Et elle c'est Eberwe. Je suis contente. Sois la bienvenue. Merci. Alors, je vous dirai, les filles, comment est-ce que nous fonctionnons ici, dans cet hôtel. Les interdits sont n'est pas volés dans l'un des coins de cet hôtel, dans le bar, dans les chambres, dans la réception. Et ce qui est plus important, personne ne s'approche de la caisse. Je parle très bien du caisse. Personne ne s'approche. Alors, Ada. Madame. Emmène Angoli et Eberwe dans les chambres. Montre-leur tout. Montre-leur comment est-ce qu'on nettoie. Ce qui est plus important, les chambres. Montre-leur comment faire le lit. Comment nettoyer le toilette. Et Mimi. Oui, madame. Emmène Kiro à la réception. Elle sera la réceptionniste assistante. D'accord? Oui, madame. Oui. Montre-lui comment est-ce que nous fonctionnons. Comment est-ce que nous écrivons les noms et l'heure à laquelle la personne entre. OK? D'accord. D'accord. Attendez. Mimi, pourquoi as-tu mis ces chaussures? Et toi? Désolée, madame. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Ça, ce n'est pas ta première fois de venir ici. Tu vois, les amis qui sont venus aujourd'hui, elles se sont conformées. Regarde notre tenue, tu le sais très bien. Ce n'est pas ta première fois d'être ici et tu connais très bien comment est-ce que nous exigeons les tenues. Alors, je ne veux plus me répéter, ok? Oui, oui madame. D'accord? Oui. Maintenant, partez. Partez merci. Au travail. Merci, madame. Merci, qui madame. Ada? C'est qui, Ada? Viens avec moi, on y va. Oui. Oh. Mmh. Moi, je pars avec c'est qui aussi. La fille de ma chambre? Oui, partons. Comme c'est ça, toi? Oui. Venez avec moi. D'accord. Merci. Merci. Bye. Attends, merci beaucoup, ma chérie. Tobé. Tanti. C'est pourquoi je t'ai appelé ici, c'est au sujet de cette terre. Je crois que c'est le temps pour toi de l'entretenir et savoir comment les rentabiliser.
ou soit tu peux le vendre et commencer un business avec cet argent pour te rendre utile, au lieu de continuer à être chauffeur comme tu le fais. Quel terrain? Mon terrain? Oui. C'est de mon terrain, tu parles comme ça? Oui. Tanti ne sait plus ça. Mon terrain, que je le vende. Vendre ça à qui? Qui est cette personne qui veut l'acheter? Hein? Je ne le vends pas. Tu vois ce terrain? Je vais épargner de l'argent. Tu vois mon travail de la gare. Je vais aller là-bas, je vais gagner de l'argent, je vais l'épargner. Je vais avoir assez d'argent pour démarrer une affaire. Je vais me battre pour construire un parking sur ce terrain. Ce terrain pour lequel j'ai des plans. J'ai de grands rêves pour ce terrain. Je vais construire un grand parking. Je vais l'appeler, j'ai même oublié le nom. Tobé Ekboski, ligne aérienne de construction, auto. Je sais que je n'ai pas été à l'école, mais mon bébé, l'autre a été. Donc, elle va me donner un joli nom. D'accord? Donc, laisse ce terrain. Ne parle plus de ça. Et tu penses qu'avec ce travail de chauffeur, tu sauras garder assez d'argent pour réaliser ce projet? De part avec ce peu d'argent que tu épargnes? Je ne le pense pas. Non, hein? Je ne le pense pas. Je sais. Tu sais, ce travail de convoyeur que je fais, je vais gagner assez d'argent, je vais choquer. Tu sais, c'est mon Dieu qui prendra le premier. Ah, Seigneur, Dieu, choque-les, surprends-moi. Il me surprendra. Un jour, je vais finir par charger mon bus. Tout le monde va partir. À côté de moi, je vais retrouver une grosse valise. En l'ouvrant, c'est rempli de dollars. Hey, Seigneur, je vais rentrer à la maison pour vous choquer tous. Surprendre toute personne qui dit que je ne vais pas réussir dans mon métier de convoyeur. Hey, Seigneur. Heureusement que tu es réveillé de ton sommeil. Mais c'est les revers. Tu rêves de ce qui n'est pas Tanti, laisse ça. Oublie ça. Je te l'ai dit. Tu vois ce terrain? Ne parle plus. En fait, quand tu mentionnes mon terrain, ne mentionne pas le mot vendre, parce que ça m'irrite. Tout ce qui est vendre à propos de ce terrain, ne le pense même pas. Ne laissez plus. Compris? Ne laissez plus. Ne parle plus de ce terrain comme ça. D'ailleurs, il est déjà 14h30 que j'ai chargé mon bus. Moi, je te laisse. Tanti, ne laissez plus. Hein. Donc, l'argent qu'ils ont, c'est seulement mon terrain qu'ils ont trouvé pour acheter avec. Dieu, jusqu'à quand je vais continuer à lui cacher la vérité? Hey. Ah, Toby, pourquoi tu es en train de courir comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Gars, c'est le travail, hein. Mon temps de charger est déjà sonné. Quel travail? Travail de chauffeur. On t'a déjà dit plusieurs fois. Il faut que tu viennes travailler avec nous comme mécanicien. Là, tu feras beaucoup d'argent, mais toi, tu ne vas pas comprendre ça. Essayez, regarde ce qu'il fait là. Regardez ceux qui se moquent de moi. Vous n'êtes pas normal. Quoi? Si quelqu'un vous entend parler maintenant, on pensera que vous avez un bon travail. Votre travail est mieux que le mien? Oui, c'est un travail de moi-même, mais on était en haut. Donc le mien est un travail des fesses. Des idiots. Travail à la main. Si votre travail est mieux, pourquoi vous n'avez pas de petit ami dans ce village? 16 petites amies. Combien d'argent tu pouvais même lui donner bien avant? Oubliez ça. Au moins, j'ai une petite amie. Celle que je vais épouser. Ma petite amie est la plus belle dans ce village. Combien tu lui donnes par jour? Très bientôt, on va commencer par vous soupçonner. On pensera que... Dima, t'attrape pas derrière. vous êtes fous. Viens nous rejoindre. Est-ce que vous recevez du travail? Combien de voitures on amène chez vous pour l'entretien? Regarde-toi, toujours du stress. Mais nous là, on se stresse même nous-mêmes. Tous les jours, toujours stressés. Vous êtes cinglés. Les voilà, vous êtes des fous mécaniciens. Des mécaniciens qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est juste deux voitures qui arrivent dans votre garage durant tout le mois. Des idiots, que Dieu vous punisse. Chérie, honnêtement, je ne veux pas que cette histoire crée encore des problèmes dans notre relation. Je sais. Et je veux me rassurer qu'il vienne s'excuser. C'est bien, chérie. Je peux bien m'en charger. C'est vrai?
Ok. Ils t'ont déjà remis tes vêtements, n'est-ce pas? Oh oui. Aie confiance en moi. Bien sûr que oui. Je te fais confiance. Merci, tu es jolie, bébé. Mon amour. Je crois qu'on peut aller faire un tour. C'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord, chérie. Bien. Alors, nous voilà. Le travail à faire ici, c'est les nettoyages. C'est ce qu'il y a à faire en premier, je crois. Ok, madame, commence les travaux. Nos clients sont trop exigeants, donc faites Ok, d'accord, c'est compris. Tu veux commencer là-bas? Allez, viens commencer par derrière ici, toi aussi. Ecolissou, ne commence pas. Ah, comment ils laissent leurs histoires n'importe comment? N'est-ce pas ça une garde-robe? Ils sont capables de mettre leurs histoires en place. Hein? Où est le cintre? D'ailleurs, ça sent. C'est où? Mon Dieu, mon roi! Eh bon, les billets des banques. Bien sûr, c'est l'argent. Tu n'as rien vu? Pourquoi tu réagis comme si tu n'as pas les yeux pour voir? C'est pas vrai, mon Dieu. Arrêtez! C'est quoi ça? C'est l'argent sale? Vous n'avez pas le droit de toucher aux affaires des clients quand vous faites des nettoyages. Vous n'avez pas ces droits. Comment quelqu'un peut stupidement exposer l'argent comme ça? Pourquoi? C'est comme ça qu'on garde l'argent à l'hôtel. Dans toutes les chambres, c'est toujours comme ça, hein? Inconcevable. Écoutez, ça c'est un hôtel. Et les choses sont différentes. Écoute, laisse-moi vous dire ceci. Si vous faites le ménage dans des chambres et qu'il y a disparition de quelque chose, hey, on vous en tiendra pour responsable. Ok, d'accord, tu peux partir. On va prendre toi en charge. Tu peux t'en aller, laisse-nous faire notre travail. Ne touchez pas ça. Ne touchez pas. Allez, va-t'en. Je vous ai prévenu. Pars. Comment je peux voir ça? J'ai un échange, vous ne touchez pas. N'est pas touché. Ah, ça c'est ma richesse, oh. Je ne devrais pas toucher à quoi que ce soit ici. Mais, beaucoup comme ça. Du jamais vu. C'est pas n'importe quel argent, oh. C'est les dollars. Je te dis. Je ne crois pas à mes yeux. Tu es sûre que ça doit rester ici? Prenez-nous, non? Ça ne nous causera pas de problème. Allez, ferme. Ferme ça. Allons le dire au manager. Dépêche-toi. Viens vite. Viens. Laisse la brosse. Laisse les balais. Dépêche-toi. Terrible, mon ami. Je te dis. Attendez, dites-moi les filles, c'est combien? Dites-moi, c'est combien? On ne peut pas compter. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. De liasse qui peut changer nos vies. C'est dans quelle chambre? Dites-moi dans quelle chambre? C'est encore quel numéro? Deux, je crois. Hein? Deux. Oui, c'est ça. Je sais, j'avais vu un garçon entrer dedans. Et tu es sérieux? Tu les connais? Ils sont forts. Et si on essaie de retirer juste une liasse? Donc, vous n'avez touché à rien? C'est ça, je faisais qu'on le touche. Avec les avertissements incessants. Juste comme ça. Silence. Salut les filles, c'est comment? Ça va, Titi. Comment vous allez? Ça va bien. Vous apparaissez joyeuse. Ah oui. Exactement. Oui, c'est ça. J'ai une question à te poser. Oui, vas-y. S'il te plaît, j'aimerais demander. Hein? Pose le problème. Si nous nettoyons la chambre, ou que pour une raison ou une autre, la personne oublie quelque chose, l'argent ou autre chose, est-ce que la personne viendra nous le demander? Bien sûr. C'est quoi encore bien sûr? Sois clair, ne dis pas admettons, dis peut-être. Peut-être ça veut dire que ça peut se faire ou pas. C'est ça le problème, hein? Tu seras tenu pour responsable. Nous serons juste responsables. Comment? Laisse-moi le dire autrement. Admettons qu'on voit l'argent, on ne le touche pas. On bloque juste la garde-robe. Une autre personne entre dans la chambre après nous et prend l'argent. À qui sera la responsabilité? Oui, tu seras toujours tenu responsable pour les questions. Mais ce n'est pas du tout juste. Chichi, cela veut dire que nous... Non. Elles iront en prison. Non, elles iront en prison. Non, c'est ici. Est-ce que tu nous as rejoint? Moi, je travaille. Est-ce que tu en connais quelque chose? Le problème est que vous devez être prudente. Extrêmement prudente. Si tu vois, tu parles. C'est vrai. Si tu ne parles pas, tu iras en prison. Avez-vous entendu? Ok. Vous avez entendu? Pas touche. C'est pour ça qu'on a posé le problème. Mais la somme d'argent que nous avons vue aujourd'hui. Plein d'argent. Je ne sais même pas comment expliquer. La quantité qu'on a vue aujourd'hui, c'est suffisant pour nous emmener à l'étranger.
c'est suffisant pour faire de nous des grandes dames. J'ai failli faire. Alors, ma chérie. À propos de l'argent, vous avez pris ou vous avez laissé? Non, je n'ai pas touché. Alors, Chichi, et si elle se décide de prendre une liasse? Elle ne vole pas, juste prendre une liasse. Pas beaucoup, juste une. Si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, ça, les consentements de la personne, tu iras en prison. Ah, non, parce que la vous personne parlez. Est très... Attention, c'est la prison. Je vous en prie. Et si vous voyez quelque chose dans une des chambres, prenez-les, ramenez-les à la réception. À la table. Et ensuite, contactez le numéro du manager. Mais tu as fait un point où tu as dit que si on ne le prend pas... Moi, je joue cette carte. Doucement là-bas, il faut bien jouer, hein? Attends, il faut que je compte ça d'abord. Hein? Combien tu es là-bas? Tobin. J'ai le 6. Qu'est-ce que c'est? Hein? Tobin, j'ai fait un rêve hier nuit. Et alors, tu as fait un rêve? En quoi cela me concerne? Et dans ce rêve, je t'ai vu débattant le prix de mon terrain avec quelqu'un. Tobin, tu veux vendre mon terrain? Laisse-moi te prévenir, je te tuerai. Je te tuerai si tu essaies de faire ça. Regarde, mon cœur est aussi amer comme cette herbe. Je suis furieux contre toi. Bien sûr, je t'étranglerai. Mais cet homme me cherche, hein? Va sur ce terrain. Tobena, tu es fini. Oh, tu parce paries que... avec ta vie. Et tu penses que tu peux aussi parier avec mon terrain? Mazibé. Attends, hein, parce que je ne suis pas allé à l'école, c'est pourquoi tu es venu chez moi en parlant de gros français du ferme genre... ta bouche, suis-je responsable de ton malheur? Mais, va là-bas, hein? Qui n'a qu'à se taire? C'est quoi toute cette bêtise? J'ai parlé. Mon esprit est aussi amer que cette herbe. Va encore sur ce terrain et tu verras bien. Continue à parier. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? C'est ce que tu fais avec ta vie. Tu peux parier comme tu veux, mais pas avec mon terrain. Méfie-toi. Je jure, j'aurais aimé être un bandit. Sinon, ce que tu es en train de faire là, j'allais te prendre et aller te jeter quelque part. Attends. Donc tu vas laisser ce vieux-là venir aussi te parler là, comme il veut là. Donc tu vas rester là, tu le laisses parler comme il veut. Hein? Mon cher ami, pourquoi tu ne le laisses pas intervenir? Comme ça, on va lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais de toute sa vie. Hein? C'est quoi comme ça? Ne vous inquiétez pas. Laissez-le. Cet homme, j'aurai son temps. Au moment où j'aurai 100 ans, je vais l'attacher. Le mettre dans un égout, pisser là-dessus, chier sur sa tête. Même chier dans sa bouche. Regarde, ça va. Laissez-le. Prête-moi quelque chose. Laissez-le. Hey, allez, regarde, va là-bas. Tu n'as pas d'argent. Fais sortir ton téléphone si tu n'as pas d'argent. Je vais jouer avec lui. Tu vois, même si moi je n'ai pas joué. Tiens, ça, c'est toi le banquier. Directeur de la banque. Hey, mon Dieu, c'est quoi ce problème en fait? Ça c'est quel genre de bêtise? Hein? Comment appeler ces sottises? C'est quoi cette histoire? Arrête de crier, pourquoi est-ce que tu cries? Ah, bébé. Hey. Je vais toquer. Hey. Qui est là? S'il vous plaît, monsieur, nous voulons nettoyer la chambre. Revenez après. Ah. Nous sommes déjà le matin. On a fini de nettoyer toute la chambre. Ça ne reste que la vôtre. Oui, monsieur. Je dis revenez après. Nous ne voulons pas risquer notre travail, monsieur. On doit finir nos tâches. S'il vous plaît, ouvrez pour nous. C'est comme vous êtes malade. Ne me maudissez pas. Pouvez-vous ouvrir, s'il vous plaît? Écoute. Je t'ai dit. Écoute, il attend les carrefours. Il veut redescendre. En tout cas. Que faites-vous là, le fille? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi cette question? Tu t'exprimes en anglais ou en swahili? Hein? Nous voulons arranger cette chambre. Tu ne connais plus nos tâches. N'est-ce pas que nous voulons nettoyer la chambre? Tu as des maux de tête ou tu deviens sourde? C'est pas vrai.
Êtes-vous sérieuse, les filles? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour l'amour du ciel, c'est un hôtel et on a l'habitude d'écouter ça. Vous ferez mieux de quitter ces lieux avant que le superviseur nous attrape. Ou soit, allez nettoyer ailleurs et plus tard vous réveillez. Et alors, n'est-ce pas que c'est mon travail? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? M'attraper? Qu'est-ce que ça veut dire? Hé, hey. Écoute un peu. C'est chaud, je te jure. Hé, mon Dieu. Rentre là-bas. Hé, c'est le sommet. On va passer en live. C'est une bêtise. Bébé. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, monsieur. Ce monsieur a fait des choses terribles, je te dis. Les sentiments étaient énormes. Cette fille peut te faire geler. C'était comme autre chose. Je te jure. Hey! Oh, Jokbele. Blague à part. Sincèrement, j'en ai marre de travailler dans cet hôtel. J'en ai assez. Je me lasse. J'en ai marre, honnêtement. Une idée m'est parvenue maintenant. Comme quoi? Attends. Je pense à quelque chose. C'est quoi l'idée, non? Dis-le. Gagne-le, t'en parle. Ma chérie, cherchons des caméras. Nous allons les monter partout dans la chambre. Dans tout le coin de la chambre. Seulement dans cette chambre? Non seulement cette chambre, toutes les chambres de l'hôtel. Dans toutes les chambres? Oui. Pourquoi? Nous allons les poser partout. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Ça va nous aider à faire beaucoup d'argent. Faire de l'argent? Comment? Tous ces hommes qui viennent ici avec différentes femmes, nous allons monter des caméras et lorsqu'ils vont venir, nous allons faire ce qu'on appelle le chantage. Tu ne connais pas ça? Leur faire chanter? Oui. Nous allons monter des caméras et lorsqu'ils vont venir avec différentes femmes, surtout ceux qui sont mariés, nous allons mettre des caméras dans les chambres. Et lorsqu'ils vont venir, et ces caméras vont nous aider à faire le chantage. Bébé, nous aurons beaucoup d'argent. Oui, ma chérie, nous allons faire de l'argent. Attends. Je comprends maintenant. Tu as compris, n'est-ce pas? C'est bien. Place aux affaires. Tu as fait un point important. Dès qu'ils seront dans la chambre, nous aurons leur vidéo à poil. Et quand ils seront en tenue d'Adam, ils nous paieront de l'argent. Quelle idée géniale. Mais tu m'as surprise. Pour qui tu me prends? Tu es aussi intelligente. Tu m'as oublié ou quoi? Tu me connais très rien. Bien. Mais écoute, nous devons le dire à Nkiru avant de le commencer. D'accord. Mais maintenant, il y a un problème. Quel problème? Où avoir l'argent pour acheter toutes ces caméras? Pour acheter les caméras? Calme-toi. Sois calme. Écoute, nous allons le faire. T'inquiète, on va trouver la solution. Nous trouverons une solution, d'accord? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Faisons ce qu'on était venu faire ici. Titi, s'il te plaît. Tu sais, je préfère être sincère, d'accord? Je veux savoir. Au fait, nous voulons savoir. C'est avec ces business d'hôtel que tu es arrivé à acheter ces belles voitures et cette magnifique maison? Moi aussi, j'y pensais. Hein? La même chose que moi. Vous savez, dans la ville, toutes les belles filles, même celles-là qui sont vilaines, ils ont quelqu'un tout près d'eux. Es-tu sérieuse? S'il te plaît, dis-nous, qu'en est-il de ton cas? Vous, les filles, vous êtes mes amies, donc je ne peux jamais vous mentir pour une raison quelconque. Allez, bien. Vas-y, raconte. Le directeur de l'hôtel d'où je travaille, c'est lui qui est là pour moi. Est-il marié? Oui, bien sûr. Tu mens. Qu'est-ce qu'il dit à voir avec ça? Il est marié. Oui, je veux dire. Titi, un homme marié. Oh mon Dieu. Tu plaisantes. Je suis censée d'être avec un jeune garçon. Quoi? Qui ne peut même pas faire quelque chose. Oh, vous êtes fou. Il n'est même pas la seule personne à qui... Et là pour moi, ça devient sérieux. Je les ai beaucoup. Inadmissible. Et qu'en est-il de sa femme? Pardon? Qu'en est-il de la femme de cet homme? Elle s'y adapte en ça. Oh, trinquons. Trinquons pour ça. Elle s'y adapte. Tintilas. Tintikalalala. Tintilagameuse. Vous savez quoi? Ne vous inquiétez pas. Tant que vous, les filles, vous êtes toujours dans la ville,
chacune d'entre vous aimerait rencontrer quelqu'un que vous aimez. De notre choix. Quel type de voiture que vous voulez acheter pour vous? Mais ma belle, arrête. Il y a beaucoup de jeunes célibataires dans je la te ville. Dis que ce ne soit pas un homme marié, franchement. Ah, vraiment? Alors, vous savez quoi? Encore. Dostons pour ça. Dostons pour les nouvelles chances. Vous êtes maintenant en ville. Toastez! Mon Dieu! Pouvez-vous imaginer? Oh. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous allez encourager mon idée. Parce que moi, Ebele, je ne peux pas, même en n'importe quelle circonstance, coucher avec un homme marié ou bien un autre de homme. Écoutez, pas du tout. Calmez-vous. Oh. Qu'elle nous vienne en aide ou pas, nous le ferons. Nous le ferons. Attendez, mais qui a eu cette idée diabolique? Les hommes. Alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, nous devons juste nous consolider et chercher comment la convaincre. Elle doit nous dire plus. Je ne crois pas que ce soit seulement ces hommes mariés. Elle nous cache encore deux choses. Tiens, tu dois nous dire la vérité. Mais qu'est-ce que vous racontez? Aviez-vous pensé aux répercussions? Aviez-vous pensé à ça? Écoutez. Personne ne saura que c'est nous qui sommes à la base. Et alors si ils nous retracent? Oh! Je hais le pessimisme. Ça, c'est quelle attitude? Tu es venu en ville pour commencer à aérer? Ce n'est plus pour l'argent. Mais nous devons être prudentes. Biko. Nous devons être prudentes avec nos décisions. Non. Si tu ne penses pas à l'argent, ne me parle pas non plus. Tu comprends? Je ne sais pas. Est-ce que tu m'écoutes? Tu dois rester positive. Ils ne nous attraperont pas. Oui. Ça n'arrivera pas. Tu viens jouer. Et pourtant, tu n'as rien sur toi. Tu n'as pas d'argent. C'est ça, non? Pourtant, tu veux jouer. C'est comme ça que les bâtards malheureux se parlent à eux-mêmes quand ils marchent dans la rue? Hein? Ok, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Mais non. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais n'es-tu pas un bâtard? Connais-tu ton père? Hein? Connais-tu ton père? Un papillon qui se prend pour un oiseau. Mais pourquoi ne pas me laisser boire de l'eau avec du gobelet dans ce village? Boire de l'eau avec du gobelet, hein? C'est-à-dire que tu es aussi inutile que ton père. Ton père mourut inutilement. Toi aussi, tu es inutile. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je tourne à gauche, vous êtes là. Je tourne à droite, vous êtes là. Vas-tu disparaître devant moi avant que je ne te maudisse? Hein? Tu es toujours là, me regardant, bien je te brise la tête avec cette canne. Quel est ton problème? Parce que je vous respecte. Hein? Hein? Tu respectes qui? Parce que je vous respecte. Je dis, quitte ici. Voulez-vous que je m'occupe de vous? T'inquiète. Tes semblables vont te maîtriser. C'est quoi? Je dis que c'était semblable. Revenez. Tes semblables. C'est à moi, vous dites hein? Ça. Tu m'as touché. Ne vous inquiétez pas. C'est dans les goûts que je vais vous jeter, idiot. Je vous respecte parce que vous êtes mon oncle. Vous êtes fou. Tu as eu le culot de riposter et tu m'as même touché. On verra bien. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je vous ferai. C'est à 01 que je vous rendrai visite. Idiot. De retour. Pourquoi ton visage est comme ça? Est-ce que tout va bien? Qui est mon père? Pourquoi tu... Je dis qui est mon père? Qui m'a mis au monde? C'est quoi, hein? Tu ne peux pas me dire l'homme qui m'a mis au monde? Notre père est mort. Je sais qu'il est mort. Mais dis-moi, qui est mon père? Raconte-moi l'histoire de mon père. Comment il m'a mis au monde et comment je suis venu dans ce monde? Tobé, calme-toi. Tu ne peux pas du coup me demander qui est ton père aussitôt que tu rentres. C'est comme j'ai dit avant, notre père est mort. Je sais. Mais je veux savoir pourquoi mon second nom dans ce village est Bâtard. Tout le monde, n'importe où j'y vais, Bâtard. Je veux savoir si c'est mon père qui m'a donné le nom de Bâtard ou bien c'est Bâtard dans son sens premier. Je n'ai pas été à l'école, mais je sais que Bâtard signifie quelqu'un qui n'a pas de père. Alors qui est mon père? Dis-moi. Tu ne veux pas me dire qui est mon père? Qui t'appelle bâtard? Qui te qualifie de bâtard? Ça ne te regarde pas. Dis-moi par quel homme je suis venu dans ce monde.
Qui m'a mis au monde? Qui est mon père? Il est un clerc. Est-ce qu'il a le nez comme le mien? Dis-moi pour que je sache tout. Ok, c'est bon. Hein? Calme-toi. Va à la maison. Repose-toi d'abord. Mange et souffle un peu. Demain avant de sortir. Tanti, tu joues avec moi. Je sais que tu es âgé. Tu es entre 40 et 50 ans. Donc, tu me vois comme un petit. J'ai pris de l'âge aussi. Hein. Je veux savoir. Dis-moi, qui est mon père? C'est ce que je veux entendre. Qui est mon père? Avant de sortir demain, je te dirai tout ce dont tu as besoin de savoir. Mais elle pense que je blague. Tu ne veux pas, tu ne veux pas me parler de mon père? Hein? Je ne comprends pas du tout ces filles. Comment est-ce qu'elles ont de très mauvaises idées? Comment est-ce qu'elles les conçoivent? J'ai peur de ces filles. Comment? Mimi, j'ai remarqué ces derniers jours que tu ne vas pas bien. Est-ce qu'il y a un problème? Bébé, ce n'est pas quelque chose de très sérieux. C'est juste que j'ai besoin d'argent pour certaines choses. C'est juste ça? Ça va aller. Ne te dérange plus, ok? Tout ira mieux dès maintenant. Tu sais, tu es mon œil dans cet hôtel. N'est-ce pas? Ok? Je serai bien juste pour toi. Oui, c'est ce dont je parle. Je dois maintenant partir. Ok, nous allons où? Je veux voir mon épouse. Tu es jalouse? Bien sûr que je dois être jalouse. Non, tu n'as pas droit, tu n'as pas droit. Pourquoi? Si chérie, je ne suis pas jalouse, chérie, ça veut dire que je chérie, ne t'aime pas. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Ne vas-tu pas me donner l'argent? Bien sûr, je vais te le donner. Merci. Je t'aime beaucoup, bébé. Merci beaucoup. Mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu froisses ton visage comme une personne qui a perdu sa maman? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Mon cher, dis-nous, on est inquiet. Hein? Dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe, non? Mais qu'est-ce que je leur ai fait dans ce village? Hein? Qu'est-ce que je leur ai fait dans ce village et ils ne veulent pas me laisser tranquille? Si mon père et ma mère ont fait quelque chose dans ce village avant qu'ils m'ont mis au monde... Qu'il aille les rencontrer pour les punir, non? Ou aller les rencontrer avec leur haine? Comment est-il que presque tout le monde dans ce village me déteste? Mazibé ne veut pas me voir du tout avec ses yeux. Partout où il me voit, c'est problème. Je vis ma vie tranquille, il me crée des histoires. Je tourne à gauche, il est là. Je tourne à droite, il est là. La seule personne qui me donne un peu de joie, qui est éperé, sa mère aussi ne veut pas nous voir ensemble. Hein? Qu'est-ce que je leur ai fait? C'est toi seul la cause de tout ça. Il fallait me laisser aller les bruits.
Comme ça, on allait voir encore s'il allait raconter ce qu'il est en train de dire. Il n'allait plus jamais te déranger. Si seulement tu nous donnais la permission, hein? On allait déjà régler le problème, hein? Il n'allait rien faire du tout. Mais toi, tu ne veux pas. Merci. Pardon. N'allez pas. Cet homme. Hein? Je veux dire que... personne ne veut me voir dans ce village. Tous ne m'aiment pas dans ce village. Certains m'appellent bâtard, d'autres illettré et autres insultes. Et vous voulez aller ajouter un autre problème à celui qui est sur le terrain. Donc, vous voulez aller pousse. Manzibe maintenant et puis, vous irez dire à Igwe que c'est nous tous qui l'avions pousse. Et ils diront qu'ils ne veulent plus de nous dans ce village et ils nous banniront tous de ce village. Où est-ce qu'on ira? Hein? Non, s'ils disent qu'ils ne veulent plus nous voir dans ce village, où est-ce qu'on ira? Écoute-moi, cette façon-là de juger les gens sur base de l'église, ce n'est plus le temps pour ça, mon frère. Tout ce qu'on sait faire là-bas à l'église, c'est... Oh, je ne veux pas sortir, et ceci, c'est là. Tu vas attendre qu'ils te tuent quand tu n'auras plus rien à faire devant eux. Laissez ça. C'est moi qu'ils cherchent, c'est moi qu'ils n'aiment pas. Laissez ça. Ce n'est pas vous qu'ils créent de problèmes. Ce n'est pas vous. Quelqu'un traverse déjà de problèmes, vous voulez ajouter encore. Si c'est comme ça que vous êtes gentil et vous voulez m'aider à aller se battre, pourquoi ne pas plutôt me donner l'argent que vous avez épargné? Comme ça, je vais ajouter à celui que j'ai pour aller épouser Ekpere. Comme ça, je saurai que j'ai mis fin au problème de sa mère. Et il ne restera que Manzibe face à qui je vais me battre dans ce village. Ok, je comprends, ok. Mais écoute, regarde, tu vois ce que tu viens de faire là, ne le fais plus. C'est ton visage? Oui, parce que ces filles-là dont toi tu parles pendant qu'on est avec toi, nous on ne les aime pas, mais seulement parce qu'on est amis, voilà pourquoi on tolère. Mais prochainement, on n'aimerait pas que tu reprennes à parler de ces filles-là. C'est mon visage. On y va, laisse-le. Non, prochainement, il ne faut plus refaire. Allez-vous-en. C'est mon visage, je le ferai comme je veux. Si vous n'aimez pas, ne le regardez pas. Non, tu n'as plus le droit de le faire. Ne regardez pas mon visage. Qui gâte quoi? Quelle copine même? Vous avez de petites amies? Est-ce que je vous voyais auparavant avec deux filles? Regarde-toi, toujours comme ça quand tu n'as rien à dire. Chichi, depuis que tu nous avais dit comment est-ce que tu fais l'argent, moi, Angoli et Nkere, avons décidé de faire l'argent d'une façon différente. Oui, exactement. Oui, nous nous sommes concertés, décidés ensemble de faire chanter ces hommes riches qui viennent à l'hôtel avec des petites filles. Quoi? Non, nous mettrons les caméras dans l'air sombre, tu comprends? Et une fois qu'on les attrape, ça fera une bonne affaire. Chantage? Ouais. Dans quel hôtel? Chez toi, là où nous travaillons, bien sûr. Ça ne sera jamais possible. Mais je peux pas vous laisser, vous les filles, détruire ce que j'ai construit pendant beaucoup d'années. Et pourquoi penses-tu que ça ne sera pas possible? Ça ne sera pas possible, s'il vous plaît. Ça ne sera jamais possible. Je vous en supplie. Écoute, tu n'as pas à nous supplier. Tu t'es déjà construit un avenir. Tu as profité de ton temps. Donne-nous aussi la chance de gagner de l'argent. Si vous ne voulez pas trouver l'argent de la manière dont j'ai trouvé, trouvez une autre chose. Ne me dites pas de mettre des caméras à l'hôtel où je travaille. Non, mais ce qui est à toi est aussi... Non, à nous, je n'ai pas... S'il vous plaît. Je ne veux pas de problème avec vous, les filles. S'il vous plaît. Je ne veux plus entendre ça. Si tu ne montes pas. Calme-toi. Chichi, s'il te plaît, écoute. C'est pas comme si nous l'avons déjà fait. Nous planifions de le faire. Et comme ça, on va gagner de l'argent. Ce n'est que des chantages. Bien sûr qu'on le sait, mais personne ne le saura aussi. Non! C'est mieux d'avoir un homme pour vous faire de l'argent. Il n'y a pas de faire des chantages. Non, je ne veux plus parler de ça. Allez-y trouver un autre hôtel que vous allez faire ça. Mais pas là où je travaille. Excusez-moi, je ne veux pas ça. Tu possèdes jusqu'ici beaucoup de liens. C'est pour ça que nous étions venus ici. Je ne peux pas le refuser. Calmez-vous, Angoli. Elle n'a pas totalement tort.
Je comprends que tu vis dans la solitude ces derniers temps. Je comprends. Mais tu dois penser à l'argent que nous allons faire sans stress. Je sais que ça sera difficile pour toi d'accepter. Mais bébé, nous allons faire cet argent. C'est la chose la plus difficile que j'ai. Essayer de conseiller, ça ne digère pas. Je comprends. Accepte-le. Ça ne marche pas. Eh? On peut faire de l'argent la façon dont nous sommes. C'est mal la façon dont nous sommes comme ça déjà. Je veux dire ça. Nous essayons nous-mêmes de nous faire incriminer. Titi, nous voulons cet argent. Nous voulons beaucoup d'argent. Et ça, c'est la seule façon dont nous devons travailler. Mais c'est le plus difficile moyen de faire de l'argent. Oui, tu dois réfléchir avant de faire de l'argent. Je ne peux pas le concevoir. Tu dois le concevoir. Je ne peux pas, ça ne se digère pas. Oh mon Dieu, je te comprends très bien, mais je te rassure que personne ne saura que c'est nous qui le faisons. Nous serons très, très intelligentes. S'il te plaît, je t'en prie, laisse-nous le faire. Comment l'as-tu digéré? Comment est-ce que je fais quoi? Emire. Pourquoi? Ton cœur est maintenant très dur. Je ne sais plus quoi te dire. Je t'en prie, s'il te plaît. Oui, je vivais à l'étranger avec mes parents et quand mon père est décédé, ma mère et moi, on s'est décidé de rentrer au pays pour s'occuper de ses business. C'est merveilleux. Oui. Donc tu viens d'une famille riche? Bien sûr. Dans quel pays habitais-tu? À Rochelle. Russie? Quelle ville de la Russie? Hein? Ouais, tu dis-moi la ville. Thank you.
c'est bon. T'inquiète pas. Très bientôt, tout ira bien. Ok? Oh, d'accord. Alors, comment va Chichi? Pas de problème. Juste, passe-lui mes salutations. Bye bye. Prends soin de toi. D'accord. Bye. Ah. Maman. Bonsoir, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce qu'un bâtard comme toi peut venir faire chez moi cet après-midi? Qu'est-ce que c'est? Maman, ça c'est un peu du trou, non? C'est quoi encore bâtard? Hein? Hey. N'est-ce pas que tu l'es? Non. Allez, dis-moi, connais-tu ton père? À quoi est-ce qu'il ressemble? Connais-tu son nom? Où est-il? As-tu une réponse à toutes ces questions? Hein? Mais attends, maman, je ne suis pas venue ici pour colérer ou pour me battre, hein? Hein? Est-ce que c'est mauvais si j'ai décidé de venir saluer ma belle-mère? Tu es malade. Est-ce que j'ai tué un éléphant ou soit un lion pour que tu viennes me saluer? Non, je veux juste savoir si... Depuis que ma future épouse a voyagé en ville, je veux savoir si elle a envoyé un message. Écoutez. Ah! Elle envoie beaucoup de messages. Ah. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, elle m'a demandé de te dire qu'elle s'est fait beaucoup d'argent. Je l'ai dit. Je l'ai dit qu'elle va réussir. Mais elle ne m'a pas dit de te les donner. Oh. Elle garde tout son argent. Elle me donne seulement peu. C'est pas pour toi. Et le deuxième message, celui-ci est vraiment important. Oui, je dois vraiment te le dire. Elle m'a demandé de te dire qu'elle ne veut plus avoir affaire avec toi. Plus du tout. Qu'elle ne veut plus avoir des liaisons avec des bâtards comme toi. Plus jamais dans sa vie. Elle a dit qu'elle s'est trouvé quelqu'un qui a un père biologique. Donc tout va très très bien. Tu veux entendre plus? Pourquoi? Essayes-tu de t'enfuir? Viens attendre d'autres messages parce qu'il y en a plein. Elle a dit qu'un bâtard comme toi doit tourner la page. Oh, tu t'enfuis? Reviens. Je savais qu'elle se fera de l'argent là-bas. Tu n'as encore rien vu, pauvre idiot. Bâtard. Les bâtards doivent sortir avec des bâtards, pas ma fille. Est-ce que tu connais ton père? Insensé. Tu veux sortir avec ma fille, idiot. Maman, je n'aime pas ça. Oh. En tout cas, non. Je n'aime pas ça. Non, maman. Suis-je la seule licenciée qui n'a pas de travail ici, dans ce village? Suis-je la seule? Pourquoi tu vas me déranger dans ce village? Je n'aime pas ça, maman. Tu es vraiment stupide pour avoir dit ça. C'est vraiment de l'ingratitude. Tu sais ce que ça veut dire? Pour une veuve comme moi, qui ne reçoit pas d'aide. J'ai tout fait pour t'envoyer à l'université, mais tu ne fais absolument rien pour chercher du travail. Maman, que veux-tu dire par là? Ne sais-tu pas que j'ai déposé mes CV presque partout? Je l'ai déposé dans différentes compagnies. Et je crois qu'un jour, ils vont m'appeler. Oui, ils vont m'appeler, maman. Un jour? Oui, maman. Et quand est-ce que ce jour viendra? Pour que ce jour arrive, combien d'années devrons-nous attendre? Quand le bon moment viendra. Maman, s'il te plaît, arrête de me déranger. Laisse-moi, je t'en prie, pardon. J'ai pitié de toi, oh. Hein? Rien que pour le fait d'avoir souffert pour t'envoyer à l'université, tu dois prendre soin de moi. Tu m'as entendu? Parce que cette maison sera trop petite pour nous. Alors tu ferais mieux d'aller te trouver une autre maison. Parce que ici, il serait mieux que tu trouves du boulot si tu veux vivre dans ma maison. Ça, c'est chez moi. Tu n'as pas de droit. Bouge-toi, pauvre idiote. Trouve-toi du travail.
Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Suis-je la seule licenciée qui n'a pas de travail dans ce village? Suis-je la seule? Non! Bien sûr que non! Ils vivent aussi ainsi avec leurs parents. Maman, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu déranges ma vie, maman. Tu me mets mal à l'aise. J'en ai marre. Je n'en peux plus, maman. Je fais toujours de mon mieux, maman. Je fais un effort dès que je suis là. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu me déranges, maman. Non. Je dois aller me déambuler chaque jour pour chercher du boulot, maman. Hein? J'ai l'impression de me suivre partout. Ça ne marche pas. C'est quoi? Où est ma faute, maman? Non, tu exagères. Où est ma faute dans ça, hein? Oh, maman, non. Non, tu exagères. Pourquoi tu me fais ça? Non, je ne peux pas. Je ne peux plus rentrer dans ce village en étant pauvre. Oh, non, je ne peux pas. Si je le fais, ma mère va continuer à me déranger. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, Ebele, vas-y, pense, réfléchis. Oh, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux plus être pauvre. Oh, en tout cas. Chérie, depuis que tes amis ont commencé à travailler avec nous, tu n'as plus de temps pour moi. Bébé, ce n'est pas ce que tu penses. Tu sais, depuis que je les ai emmenés ici en ville, c'est moi qui prends soin d'elles, je les achète tout. Je fais à ce qu'elles puissent découvrir certaines choses. C'est moi aussi qui les nourris. Alors, les choses ne se passent plus comme je le voulais. Mais tu sais au moins de quoi je suis capable. Si c'est problème d'argent, tu sais que je peux te les donner. Tu devrais être fière de moi et tu sais au moins de quoi je suis capable. Chérie, pour ça, j'ai confiance en toi. Respect, mon amour. Je comprends. Je suis désolée, ok? À partir d'aujourd'hui, je te donnerai du temps, ok? D'accord. J'ai confiance en toi. Ok. Voilà pourquoi je t'aime. Tu es trop compréhensif. Je t'aime aussi, bébé. Alors, les filles, ça, c'est un exemple d'une caméra que nous allons monter dans chaque chambre. Ebere, tu peux encore m'appeler. Écoutez, regardez ça bien. Alors, nous devons faire beaucoup attention sur ça. Beaucoup attention. Le fille, êtes-vous sûr que ça va marcher? Ça marchera parfaitement bien. Après tout, nous sommes toujours des travailleuses. Tout ce que nous devons faire, eux, de placer deux caméras dans toutes les chambres. Et quand les idiots vont partir, on apportera toutes les caméras, eux, démarrer la vraie affaire. C'est tout. Exactement. On le fait comme ça. Ça marche. Et pourtant, Kiro, comme tu n'es pas partante, tu n'as qu'à fermer ta bouche. Nous ne voulons pas entendre ta voix. Reste silence. Le marché ouvert. Hey, Egbesko, l'intelligence révélée, tu vaux beaucoup. Moi, tous ces jours-ci, ils n'auront plus d'autre choix. Leurs comptes seront vidés à notre guise. Oui, ils le feront, mais c'est seulement si. Ferme ta gueule. Idiote. Rêveuse, ennemie du progrès. C'est pas arrivé là-bas. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas... Elle non, veut nous donner la malchance. La langue pas jusque là, s'il te plaît. Ce mais que je sais de dire est que nous devons être très prudentes. Oui, nous serons très intelligentes. Criminel, donc nous devons être vraiment ferme prudentes. Ferme ta gueule, sinon je vais te... Arrête, lancer je sais c'est quoi avec toi. Oh. N'est-ce pas mieux que tu me donnes une sourde muette comme sœur? Mais voilà la sœur que tu m'as donnée. Elle a une bouche, mais ne sait pas comment bien l'utiliser. Juste convaincre une fille pour moi. Elle ne peut pas. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça, mon Dieu? Qu'est-ce que je fais? Tu m'as donc à cause d'une fille, à cause d'une femme, à cause d'une étrangère, c'est pour ça que tu demandes à Dieu pour qu'il rende ta propre sœur ton sang sourd et muette. N'est-ce pas mieux? Tu utilises bien ta bouche là. Ah, Chima, tu es très méchant. Tu es vraiment ingrat. À cause d'une personne que tu ne connais même pas, c'est pour ça que tu veux que Dieu me rende sourde et muette.
Donc, si je deviens sourde et muette maintenant, tu seras heureux. Tu seras content, Chima. C'est comme tu veux. Pas de problème. Écoute, je vais te dire un truc, Chima. Ce qui t'arrive, tu le mérites. Je jure, Chima, tu obtiens vraiment ce que tu mérites. Oui? Dis-moi, qu'est-ce qui t'étonne? Attends. D'ailleurs, elle n'avait rien fait. Prochainement, tu seras très étonné de ce qui va t'arriver. Je t'avais dit, je t'avais prévenu, Chima, que je connais très bien ces filles. Elles sont mes amies. Je connais ces filles, je les connais très bien, je sais comment elles se comportent. Mais tout ce que je t'ai dit, tu refuses toujours de m'écouter, tu vois? Si seulement tu m'avais écouté, ne serait-ce qu'une fois, ce qui t'est arrivé aujourd'hui n'allait pas t'arriver. Te voilà en train de demander à des pots qui me rendent sourde et muette à cause de ces gens. Je vais te poser une question. Est-ce que tu les connais? Es-tu sûr que tu es vraiment ma sœur? Parce que je ne sens rien, je ne sens pas les sons. Es-tu sûr que tu es vraiment ma sœur? Je ne sens pas les sons là, hein? Ah, la mort. J'aurais vraiment aimé que ma mère soit encore en vie. Hein? J'allais lui poser quelques questions. Parce que je ne sens pas les sons. Toi, tu es clair, moi je suis noir. Hein? La pauvreté. Chima, si s'il te plaît, attends. J'allais déjà faire un test ADN et vérifier si tu es vraiment ma sœur. Hein? Dis-moi, est-ce que tu es vraiment ma sœur, toi? Chima, c'est à moi ce que tu dis ça. Ton sang? Écoute un peu ce que tu me dis. Que je mérite ce que j'ai. Mon propre sang. Qui dit que je mérite ce que j'ai? Mon propre sang. La personne que j'appelle aussi ma sœur. Ah, maintenant tu joues à la victime. Tu t'es fait passer pour la victime, Chima, c'est ça? Donc, tu me balances toutes ces histoires parce que j'essaie de veiller sur toi? Parce que j'essaie de te protéger, c'est pour ça que tu me dis ça? C'est un très grand risque que je prends chaque jour en mangeant ce que tu prépares dans cette maison. Tu ne peux même pas convaincre une personne pour moi. Et tu dis que je mérite ce que j'ai. C'est un grand risque que je prends. C'est pas un problème. Quand je mange ta nourriture. C'est pas un problème, Chima. La prochaine fois, ce que je lui demanderai de faire. D'ailleurs, je vais lui demander de faire pire. Oui. D'ailleurs, elle n'a même pas commencé. Quand elle va commencer avec toi, tu verras comment tu vas devenir méconnaissable. Oui, cette fille n'est pas du tout ordinaire. Elle est deux en une, à l'extérieur et à l'intérieur. Ok, pas de problème. Continue. Continue à la courtiser. Je ne vais plus t'interdire. Je vais frayer un chemin. Qui me fera envie? Vas-y, je t'encourage. Mais ne viens pas pleurer sur mes épaules. Quand tu arrives en ville. Si le business qu'elle est en train de faire là-bas n'est pas bon, n'est pas correct, rentre ici dans ce village et nous allons nous débrouiller comme on l'a toujours fait ensemble. Tu m'as compris? C'est bon, j'ai été entendu. Une autre chose. Là, tu vas en ville. Il y a des choses vraiment bizarres là-bas et fais vraiment attention à toi. Sois extrêmement prudente. Tu sais ce que j'ai connu. C'est en ville que j'ai perdu tout ce que j'avais avant. Sois vraiment prudente. Là-bas en ville, c'est un endroit vraiment compliqué et très difficile. Frérot, t'inquiète pas à propos de ça. Tu me connais, non? Tu sais que je suis très intelligent. Oui, je te crois. Je vais aller en ville et je ferai de l'argent. Je reviendrai. Tu connais ta sœur. Tu sais qu'elle est très intelligente. Tu es intelligente. Là, tu essaies de dire quoi? Je ne suis pas intelligente. Non, ce que j'essaie de dire par là, qu'une fois que je serai en ville, je serai très concentrée. Je serai très déterminée sur mes objectifs. Tu comprends? Donc, je reviendrai. Avec beaucoup d'argent, frérot. Non. Je ne peux pas rentrer au village comme ça. Non, je ne peux pas. J'aurais vraiment honte de moi. Pas comme ça. Et surtout quand mes amis reviendront. Avec des voitures, elles vont construire de belles maisons. Ah, non, non. Je ne peux pas rentrer. Je vais rester. Je ferai tout ce qu'elles feront. Je vais me rassurer de rentrer au village, riche et bien dans ma peau. Indépendance par-dessus tout. Je vais rester ici et faire tout ce qu'il me faudra pour avoir cet argent. Elles n'ont pas besoin de s'inquiéter. Je vais rester. Ah, les impressionnistes. Ceux qui prétendent être bien alors que ce n'est pas ça dans la réalité. Oh. Et un jour, le lion dévorera son maître. Femme, simplement dis-le.
Ouvre ta bouche et dis-moi ce qui te brûle à l'intérieur. Dis-le seulement avant qu'il ne soit trop tard. Mazibé, je n'ai rien à te dire. Donc, tu ferais mieux t'occuper de tes affaires. Concentre-toi sur ta famille et laisse la mienne tranquille. Quelle audace! Quelle audace! As-tu une famille? As-tu une famille? Dis-le-moi! Méchante femme, imagine-toi, tu es presque à la lisière de la ménopause et bientôt ses effets commenceront à se manifester. Et tu es toujours ici, au-delà de 50 ans, échangeant de mots avec moi. Moi? Mazibé. Tu es méchante. Que je sois mariée ou non, ça ne te concerne pas. Mais laisse-moi te dire, c'est pourquoi tu luttes. Tu ne l'auras jamais. Marque mes mots, jamais. Malin, tu n'es qu'un rêveur. Quelle audace. Un papillon qui se prend pour un oiseau. D'accord. Je te promets que très bientôt, on verra le gagnant. Méchante femme. Juste tais-toi. Ok? Ok. Mon nom est gentil et je ne fais pas passer, ok? Ok? Alors ne crée pas d'histoire. Fais ce que je te dis de faire et tu seras saine et sauve. Ok? Tu es bien celle qui s'apprête à faire du chantage genre marié. Ai-je raison ou tort? Oui, tu as raison. Je suis désolée à propos. S'il te plaît, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas. Ferme ta sale bouche. Ferme-la. Je suis ici pour ton téléphone. Donne-le-moi maintenant. Mon téléphone? Exact. Ok, prends-le. Ok, chut. Prends tout ce que tu veux, ne me fais pas du mal, s'il te plaît. Ferme ta sale bouche. Merci. C'est fait, tiens-le. C'est la seule façon dont tu te fais de l'argent. C'est vraiment de la merde, ça laisse-moi te le dire. Il y a plusieurs autres façons pour que tu fasses de l'argent. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Le chef m'a demandé particulièrement de te tuer. Hey! Exact. Mais je ne vais pas te tuer. Mais je vais juste t'aider. T'aider avec du vrai argent. Tout ce dont tu as à faire, c'est de coucher avec moi juste pour une nuit. Ce soir même. Tu as déjà mon numéro sur ton téléphone. C'est gentil. Tu ferais mieux de faire ça. Ok? Ok. Alors les filles, c'est ça l'histoire. Les filles, pour l'amour du ciel, ça commence à prendre une autre ampleur. Kiro. Oui. Nous devons monter des niveaux. Écoute, si tu veux profiter de la vie, tu dois accepter de prendre des risques. Dans cette vie, tu n'auras rien de bon aussi facilement comme tu penses. Nous devons faire avec. Vous savez une autre chose? Il a dit lorsqu'on reçoit l'argent, il peut nous acheter certaines choses dont nous aurons besoin. Ma belle, je veux cet argent. Mais belle, j'ai besoin de réaliser mes rêves, c'est tout ce qui me retient ici. Je dois faire ces cash. Dès que ce fait, je vais rentrer au village, avoir le titre de Ozubo. Bébé. Je vous dis, si vous voulez continuer dans la pauvreté, en ce qui me concerne, moi, Angolais, pousseur de camions, j'en ai marre. Vous voulez que je retourne au village pour traîner encore des camions? Pas question. Est-ce que vous m'épigez? Quand nous aurons cet argent, nous allons établir des grands business pour nous-mêmes. Tu as vraiment raison, copine. Et Béré, oui, nous avons besoin de cet argent. J'ai aussi besoin de ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour avoir cet argent. Réfléchissez. Écoutez, les filles, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Donc, peu importe ce que vous me démontrez, je ne suis pas d'accord. Ça n'a pas de sens. Non. Excuse-moi, s'il te plaît, laisse-moi mettre mon point de vue. Attends.
Ok, je t'écoute. On couche avec les hommes et après, on passe par le chantage. Et du chantage à je ne sais... Ferme-la! Écoute, n'essaye pas de gâcher mon humeur. Nous ne sommes pas des petits enfants, nous sommes des grandes personnes. Nous savons ce que nous faisons. Si tu ne veux pas de ça, ma belle, tu n'as qu'à rentrer au village. Mais je t'assure, si on arrive à réussir à faire cet argent, ne reviens pas à moi pour me demander de l'aide, puisque je n'oserais pas t'aider. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, moi j'ai une vision claire de ma vie. Je Donc vous êtes prête à tuer juste pour de l'argent? Hein? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce qu'on veut tuer les gens? Ça peut conduire Personne ne veut tuer quelqu'un, on ne veut pas de sang humain ici. S'il te plaît, personne ne te force la main. Tobé, ne me dis pas que tu es lunatique juste parce que... Donc, tu ne veux pas me dire qui est mon père, n'est-ce pas? Dis-moi qui est mon père, c'est ce que je veux entendre. Je suis assez âgé pour savoir comment gérer n'importe quelle nouvelle. Dis-moi l'homme qui m'a mis au monde, est-ce que j'ai un père, oui ou non? Je ne sais pas d'où vient cette question, mais je t'ai toujours dit que notre père est mort. Tu continues de me mentir, n'est-ce pas? Tu continues de me mentir. Tu ne veux pas me dire la vérité. Hein? Écoute, si tu ne me dis pas la vérité, je vais ramasser mes effets. Sorti de cette maison, je vais à l'intérieur ramasser tout ce qui m'appartient. Et j'irai dans la rue pour chercher mon père. Tu ne veux pas me le dire, c'est ça? Tobé, écoute-moi. Tu ne veux pas? Hein? Prends le temps de reposer. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. D'accord, je t'écoute. Dis-moi tout. Tout a commencé quand ma grande sœur était en vie. Mazibé, elle avait refusé d'accepter Mazibé comme son mari. Encore Mazibé? Oui. Même notre père avait refusé de donner sa main en mariage. C'est ainsi que Mazibé a commencé à avoir de la rancune contre nous. Après un temps... Mazibé a juré que ma sœur ne va plus jamais se marier. Après quelque temps, ma sœur a été violée. Jésus-Christ. Et finalement, elle était tombée enceinte. Pour accoucher après d'un joli bébé garçon. Et pendant l'accouchement, elle avait succombé. Et mon père est mort d'une crise cardiaque à cause de cette nouvelle tragique. Et ce mignon bébé garçon, c'est tout bénin. Toi, c'est toi, ce joli bébé garçon. Donc ce garçon, c'est moi. Donc, je suis un produit du viol. Hey! Donc mon nom, c'est Tobetuku Bâtard. Donc je n'ai pas de père. Écoute, Tobé... La vérité est que nous n'avons plus revu ton père. Hey! Donc, je n'ai pas de père. Je n'ai pas de papa du tout. Je n'ai personne
que je dois appeler papa? Tu l'as. Laisse-moi te dire. Quand notre père était mort, j'étais allée rencontrer les chiefs et le roi de notre communauté. J'avais plaidé avec eux pour qu'ils te considèrent et t'acceptent comme le fils de notre père, afin que tu prennes part de son héritage. Et le roi était favorable à ma requête. Il avait accepté. De ce fait, tu es devenu le fils de mon père. C'est à toi que revient tout l'héritage qu'il a laissé. Même cette grande terre de la famille pour laquelle nous nous sommes discutés il n'y a pas longtemps. Tous ces biens sont à toi. Même Mazibé, il a essayé de persuader les rois pour qu'il revienne à sa décision. Mais le roi avait refusé. Depuis ces jours, Mazibé t'avait marqué comme son premier ennemi. Dieu, pourquoi? Donc, là où je suis maintenant, je suis devenu adulte et c'est pour rien. Je n'ai pas d'endroit qui m'appartient. Attends un peu. Tobé, donc tu veux dire que tu n'as pas compris tout ce que je viens de t'expliquer? Ici, c'est ta famille. C'est ta maison. C'est ici où tu appartiens. Tant que je n'ai pas de père, tant que je suis un bâtard, Tobé Tchoukou bâtard. C'est maintenant que je pige le mot bâtard que tout le monde m'attribue dans ce village. Pourquoi? Hey! Alors, pourquoi tu m'as caché toutes ces vérités durant tout ce temps? Pourquoi? Pourquoi tu me les as cachés? Tobé, je ne vais pas te donner un mauvais pressentiment. Je ne veux pas que tu sois choqué. C'est ça la raison de toutes ces intox. Alors comment crois-tu que je me sente maintenant? Tu penses que je me sens bien ou je me sens mal? Ça va aller, mon frère. Prends juste le temps d'assimiler tout ceci. Apaise-toi. Que je me calme. Tobé Tchoukou est un bâtard. Tobé? Tobé Tchoukou? Ne me dis pas que tu es en train de me faire du chantage. C'est pourquoi tu as choisi de me punir? Où vais-je trouver 5 millions de naira? 5 millions de naira! Aïe! Quel est ce genre de désordre que vous avez causé là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Tu ne trouves pas que ces filles-là sont très riches que nous? Ferme ta bouche là! Je dis ferme ta bouche là! Je vous ai payé pour ça! Savez-vous combien j'ai dépensé pour ces uniformes que vous portez? Et vous étiez allé commettre la merde! Juste comme ça!
Mais monsieur, on a essayé, N'est-ce pas qu'on a essayé? Tais-toi avant que je te tue. Vous avez essayé quoi? Ne sais-tu pas que mon mariage est en danger? Mon mariage est en danger. Vous auriez pu arrêter la fille là et prendre son téléphone. Cette vidéo serait dans son téléphone. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Et si alors on passait à d'autres plans? J'ai pas compris que vous ne dites pas changement de plan. Une autre stratégie. Une autre stratégie. Écoute, si ton plan a échoué, le nôtre va réussir. Taisez-vous et laissez-moi réfléchir. Fermez vos sales gueules. Désolé. Si tu dis seulement un mot, on va appliquer notre plan. Et vite, vite. Qu'est-ce qu'il se passe? Depuis que ma sœur a voyagé pour la ville, je n'ai aucune nouvelle d'elle. Elle ne m'a jamais fait un message, même pas pensé retourner à la maison. Qu'est-ce qu'il se passe? J'espère seulement qu'elle va bien. Oui. $15 millions Chief. Pourquoi encore cette demande? Je pense t'avoir envoyé $6 millions hier. Ça c'était hier. Ou es-tu prêt à casser ton mariage? Non. Ok. Maintenant, combien veux-tu cette fois-ci? $15 millions Chief. 15 millions. Je l'enverrai. C'est une bonne chose. Tu as l'air inquiet. Est-ce que tout va bien? Ouais, parfaitement bien. Es-tu sûr? Ouais. Alors dans ce cas, je pars au supermarché acheter des provisions. D'accord. As-tu besoin de quelque chose? Si tu vois quelque chose qui me plaît, achète-le pour moi. C'est vrai? Ok. Ok. Prends soin de toi. Bye. Toi aussi. Or pur. Une femme que Dieu m'a donnée? Non. Je ne peux pas me permettre de la perdre à cause de cette vidéo. Je paierai cet argent. Donc, j'ai perdu $30 millions dans une semaine. Ok, vous voyez, je suis devant vous pour vous dire que dans ce petit groupe, pour chaque mouvement que nous faisons, il y a des règles et des lois que nous sommes censés respecter. Ok, nous devons être prudents avec tout ce que nous faisons. Premièrement, nous devons tous changer nos identités, ce qui veut dire qu'il nous faut des nouveaux noms ou des surnoms. Ok, à partir de maintenant, vous n'utiliserez plus vos vrais noms. Ok, maintenant le second code est... Nous devons tous mettre des habits appropriés pour chaque cambriolage. Nous n'allons pas effectuer d'opération juste comme ça. Il nous faut des gants pour ne laisser aucune trace derrière. C'est très très important. Je ne sais pas comment tenir une arme. Je ne l'ai jamais fait avant. Je comprends ça. Et je vais te l'apprendre. J'apprendrai à chacune d'entre vous ici comment tenir une arme. C'est ma raison d'être ici. Ok? Bien, allons-y. Je vous apprendrai à utiliser ça. Mais tout d'abord, t'en fais pas, c'est pas chargé. Mais tout d'abord, vous devez vraiment entendre ceci. Je vais commencer à collecter 10% de toute opération que vous effectuerez. C'est très très important que nous puissions mettre cette histoire au clair pour ne pas avoir de problème demain. Ok, c'est tout ce que je vous demande et je veux que ça marche comme ça. Bien, je vais vous apprendre maintenant comment les utiliser. Tout d'abord... Oh Seigneur, mais où est-elle? Où est-elle passée? Pourquoi elle traîne? C'est quoi encore? Qu'est-ce que c'est, non? Chiquito. C'est comment? Bébé, la fille. Bébé.
Ouais, c'est ça. Oh, 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 oh. Ah, l'union fait la force. Nous sommes des warriors. Le fait. En avant. Prête. Mars. Putain de merde. Vous devez me rembourser mon argent aujourd'hui. Quel argent? Gar, vous devez me rembourser mon argent maintenant même. Écoute, apprends à te respecter. Gar, viens ici, où est mon argent? Je ne sais pas. Où est mon argent? Je demande où est mon argent? Mais je veux mon argent. Laisse-le, laisse-le. Je vais. Gar, où est mon argent? Tu as besoin d'argent. Attends. Mon argent. Vous devez me retourner. Vous devez me retourner mon argent. Tu as besoin d'argent. Mon argent. C'est ton argent que tu veux? Gar, donne-moi mon argent. Retourne-moi mon argent. Mon argent, retourne-moi. Mon argent. Retourne-moi mon argent. Je parle toujours d'argent. Retourne-moi. Vous demandez mon argent. Dépose-le un peu. Vous devez me retourner mon argent. Je parle toujours d'argent. C'est mon argent. Toi. Mon argent. Frappe sur la tête. Mon argent. Vas-y. Comment tu vas? Chief, tu as envoyé un assassin pour me tuer, c'est ça? Non, j'ai pas fait ça. C'est vrai. Je crois que ta femme est dans la voiture. Alors je dois me dépêcher pour lui montrer maintenant. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je veux mettre cette vidéo dans la télé. Tu sais ce que ça signifie pour ta carrière? J'enverrai l'argent si c'en est le cas. S'il te plaît. Écoute, je te donne jusqu'à ce soir pour déposer 30 millions sur mon compte. Chérie? Ouais? Qui est cette dame? Je suis une aspirante politique. Oh. Sois prudent. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. La politique est un sale jeu. Et je sais très bien comment la jouer. Sincèrement, les filles, je pense qu'à ce point où nous sommes arrivés, nous devons jeter l'éponge, puisque ça commence à devenir frustrant. Ouais. J'y pensais aussi. En fait, il nous avait dit de commencer à lui donner 10% de chaque marché. Nous étions toutes d'accord. Et maintenant, il change en 30%. Qui peut le faire? 30%? Non, 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 non. Ce garçon est totalement bâtard. Il est vraiment audacieux. Comment peut-il être là assis et attendre de nous de lui remettre tout l'argent dans lequel nous travaillons? Comme nos combats, nos pensées, nos idées, nos propres créations, je ne comprends rien. Ça n'arrivera jamais, ou soit on le retire. Je crois que ce que nous devons faire maintenant, c'est de chercher à perfectionner le plan que nous avons conçu. Kiru, c'est la première fois que tu donnes un avis capital. Toutefois, je crois qu'il est temps pour nous de retourner au village. Nous devons aller leur montrer que nous sommes arrivés. Nous avons fait l'argent. Nous l'avons fait. Nous sommes de chèques, de banque, de la ville et aussi du village. N'est-ce pas? On doit avoir la permission au travail. Oui. En tout cas, moi, je ne crois pas que je vais continuer avec ce travail. Je veux dire, on s'est fait de l'argent. Alors pourquoi gaspiller notre temps là-bas à l'hôtel? Non, non. Il y a quelque chose que tu oublies. Et tu dois te rappeler de ça.
on a toujours besoin de ce travail de l'hôtel pour couvrir ce que nous faisons. Laisse-moi te dire que ce travail est vraiment illégal. Alors, on a toujours besoin de ce travail de l'hôtel pour couvrir ce que nous faisons. Tu vois? Et qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh, tu peux avoir raison. Dis-le-lui. Dis-le-lui, ça va laver donc, son cerveau. On doit avoir de l'argent pour trouver à manger. Oh mon Dieu! Ah! Je le fais, je le fais. Je suis arrivée, sincèrement. Wow. Ces habits, ce sont le même que j'avais porté dans mon rêve. Avec des briques d'argent dans mes mains, juste comme ça. Oh mon Dieu! M'exprima dans la langue oh, de Voltaire. Oh mon ami! Tu peux m'appeler encore. Angolica! Tu peux le dire encore. Essaies-tu de dire que ceci était programmé depuis longtemps? Je ne sais pas. Mais moi, Angolais. Angolais. Je suis y arrivée. Je vais te lancer l'argent. Oui, oui. Les billets dedans. Ah, juste comme oh je l'ai Dieu. Rêvé. Oh, je suis maintenant riche. Prends l'argent. J'ai accompli mon rêve. Je te sens riche. Je vais conspirer pour mon rêve. Tout coup, en moi. Oh mon Dieu. Pardon, pardon, pardon. Faut pas venir ici m'impliquer dans vos histoires de... On a dit un... Quelle rumeur hein? Je ne veux rien entendre. Vous commencez encore. Tu es au courant de ce qui s'est passé? Vous commencez encore. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est toujours vous. Je suis au courant. C'est vrai ça. Eh, hey, si tu vois cette fille et le niveau qu'elle atteint, mon frère, je te dis. L'argent. Si tu vois de quelle manière cette fille distribue l'argent partout ici au village. Et si tu vois sa voiture. Vous avez encore commencé. Hein? C'est ce que je n'aime pas de vous. Et c'est ce qui fera que vous et moi, nous aurons de sérieux problèmes. Et là où cela va nous conduire, on ne parlera plus dans ce village. Je suis en train d'enlever tout ce qui concerne Ekpere de ma tête. Depuis, est-ce que vous m'avez encore entendu dire Ekpeski? Parce que je sais qu'elle est partie. Qu'elle est partie en ville. Donc, je l'enlève de ma tête. Faut plus la ramener dans mon esprit afin de me donner des nuits d'insomnie. Pardon. Donc, tu penses que nous l'on blague? Regarde, va de l'autre côté là-bas. Hein, tu verras Ekpere là-bas. Mais attendez, vous êtes sérieux? Mais oui, alors, quand on dit qu'on est sérieux là, tu penses qu'on blague? Dégagez-vous de là! Comment Ekpere va retourner dans ce village? Et je ne serai pas la première personne qu'elle va visiter. Elle t'a déjà quitté. Regarde, elle t'a déjà quitté. Attendez, vous êtes sérieux? Donc, toi, tu penses à pour une blague? Si tu vois comment cette fille distribue l'argent comme ça. Hey. Mais, vous dites... Où est-elle? Où est-ce qu'elle est? Je vais te dire, va de l'autre côté là-bas, là où il y a plein de filles là, oui. Tu verras Ekpere. C'est là-bas qu'elle est. Vous êtes sérieux? Elle gaspille l'argent. Celui-ci, c'est bizarre pour lui. Elle l'a déjà quitté, je l'avais dit. Il elle pensait t'a que déjà abandonné. Ekpere, 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 à tout moment, Ekpere. Voilà, elle est partie, elle ne reviendra plus. Et elle ne l'appelle plus. Mais cela m'a choqué. Oh. Nous les hommes. Nous les hommes. C'est pourquoi je ne veux pas de relation. Et puis d'ailleurs, je n'ai même pas de temps. Je suis libre même. Aucun problème. Pas de problème.
Papa, c'est fait. Vas-y, ma fille. Appelle-moi encore. 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 Des stupides billets de banque. Et papa, Angoli, sur moi. Tu, encore, tu es riche. Ma fille. Angoli, tu as fait la fierté de ton père. Papa, tu vas nager dans les luxes. Nous sommes dans Eldorado. Sur moi. Continue, ma fille. Écoute, tous pauvreté. Mes ennemis doivent avoir honte. Vas-y seulement. Maintenant, c'est mon tour. C'est mon papa. Tour maintenant. Oui, oui, monte, monte. 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 Oui, vas-y. Il a maintenant de l'argent. Eh, mais regarde. Insensé de vivre misérable. Nous sommes devenus riches. Nous sommes maintenant riches. Hey, papa, je reste suis maintenant là. Un vrai Odogwu. Ça peine comme dans l'huile. Je suis devenu un vrai Odogwu. Venez voir. Que venez assister au spectacle que je des foutus billets de banque. Dans vous êtes malade. Hein? Hein? J'ai vaincu la ancêtres. Pauvreté. Ouais. De la foutaise. N'importe quoi. De la merde. Hey. Ta, où sont ceux qui me défiaient? Hey. Venez ici. Ogini. Ogini. Je veux vous voir. Qu'est-ce que hein? l'on raconte hein? Ce n'est que le début, hein? ma fille. Ce n'est que le souri. Début. Tout est devenu facile. Nous allons faire des progrès. Qui dira encore un mot? Nous irons de l'avant. Qui osera me faire face? Tobim, tu n'as même pas touché à ta nourriture. Tu passes ton temps à pleurer à cause des bérets. Je t'ai dit de l'oublier. Elle n'était pas destinée. Comment, hein? Comment je peux manger? Comment je peux manger? Hein? Kaye, après combien d'années? J'ai épargné de l'argent. J'ai épargné de l'argent pour épouser Ekpere. Et voilà, Ekpere m'a rejeté. Ekpere est parti en ville, il m'a laissé au village. Hey. J'ai vu Ekpere. Ekpere me dit que moi je suis stupide. Elle a dit que je suis un garçon qui pue. Elle a osé me dire que je suis un garçon qui pue. Hey. J'ai souffert. Je souffre. Tanti, je vais me suicider. Je vais me suicider. Essuie tes larmes. Ne te donne pas la mort. Je crois que Dieu t'enverra à quelqu'un qui va te comprendre et qui va t'accepter. Tanti, je ne veux aucune autre vie. C'est Ekpere que je veux, Ekpere. Ah, ma chérie, Makpeski a dit que je pue, que je suis un garçon stupide. Elle m'a dit que je suis un garçon qui pue. Ça va. Tout ce dont tu auras besoin, juste appelle-moi. Angolé, ma fille. Ah, papa. Tu ne penses pas que je ne suis pas nous en train de rêver. Vie. Je ne tu suis pas en train pas. De rêver. On ne manquera plus hey, de rien. Dieu, mes ennemis doivent être honnis. Ils sont couverts de honte. Ils doivent lève-toi, être papa, honnis. La nature ils ne seront plus te regarder deux fois. À moi. Tout a changé. Je suis maintenant le père d'une fille bien riche. Sûr, tu peux le dire hein? encore. Écoute, papa, écoute. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je vais te trouver une ouais. cuisinière, un lavandier, les gens qui s'occuperont de toi. Juste, dès que tu le d'accord. trouves, tu me fais signe. Et quelle sera la suite? Je changerai mes pas. Il a quoi? Y a-t-il un problème? Allô, Titi? Oh, je suis déjà en route. Il n'y a pas de problème. D'accord, papa, je dois me dépêcher. Mes amis fais m'attendent attention, déjà. Ma fille. Les ennemis ne te verront pas. D'accord. Il Amen. A quoi? Avant de partir, il y a encore papa, quoi? Laisse-moi t'arroser. Il y a quoi? Laisse-moi te mettre on en condition. On dit quoi? Papa, hey, laisse ma fille. Bande, mon te plaît. Dieu. Te console. Dieu m'a finalement fait faveur. C'est qu'à je suis maintenant béni. T'es face et pas oublier la seulement, misère. Même sur mon jour. Tu ne oui, sur mon jour. Paradis.
Laisse-moi te caresser avec cette Ma fille, tu es protégée tous les jours. Mes ennemis ne te verront jamais. Je suis déjà en retard. D'accord, Amen, d'accord. Amen, amen. Tous mes ennemis doivent avoir honte. C'est bien. Ils n'ont encore rien vu. C'est l'argent, ça. Hey! Hey! Angolem, nous sommes maintenant riches. Nous sommes maintenant riches. Voici l'argent. Salut, Bogart. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui vous a retenu pendant tout ce temps? Oh, le 30%? Exact, les 30%. Oh, donne-moi une seconde. Tu l'as tiré dessus? Es-tu sûr qu'il est éteint? Je dois me rassurer. Et manqua, on ne manque pas, stupide fille. Allô? Est-ce bien l'OPJ? Leurs identités ne sont pas importantes. J'ai des informations dont vous aurez sûrement besoin. Hey! De te voir heureux. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tanti, tu connais mon ami là, Afam. Afam, non, qui était avec Jima. Il est parti en ville en ce moment et vit avec... Ok, c'est qu'ils sont allés en ville il y a quelques mois. Bien, qu'est-ce qu'il y a avec eux? Ah, j'étais à la gare aujourd'hui, hein, en travail. Et voilà, un conducteur était arrivé avec un message. Il m'envoie un message dans lequel il me demande de venir en ville pour rester avec eux afin qu'on se débrouille ensemble. Ah. Ah. Ça paraît intéressant, mais es-tu sûr que ce sont eux qui t'ont envoyé ces messages? Ah, tanti, je suis encore un enfant. Donc, je ne peux pas savoir quand on m'envoie un message ou bien qui m'envoie ça. Je dis que c'est eux, la femme. Ce sont mes amis. Tu ne te rappelles pas de quand ils venaient ici? C'est bien. C'est vraiment une bonne nouvelle. Tanti. Nous aurons la confirmation si ce sont eux qui t'ont réellement envoyé ces messages. Tu vas y aller. Tanti, il n'y a plus rien à confirmer. Je dis que ce sont eux. Hey. Ce sont eux, non? Tu ne connais plus leur femme. Ne me dis pas ça. J'irai en ville pour devenir un citadin. Aujourd'hui... Tu y arriveras. Tu seras une grande personne. Tanti, si j'ai réussi, je vais les réunir tous dans ce village. Je vais revenir dans ce village pour organiser une grande fête et tuer des bœufs. Après avoir tué les bœufs, je vais inviter tout le monde. Mais personne dans ce village mangera cette fête. Personne ne mangera cette viande.
Qui vont les manger? Tout ce qu'on va préparer le jour-là, personne dans ce village mangera. C'est seulement mes amis de l'extérieur qui seront là et qui ne sont pas de ce village qui mangeront. Attends, Tobé, qu'est-ce que les gens de ce village t'ont fait de mal? Je vais les choquer tous. Personne d'entre eux n'a cru que je vais réussir, mais je vais réussir dans cette vie. Ils seront choqués. Tu vois mon oncle là, celui-là qui se dit qu'il se nomme Ibé et qui a des pieds penchés là. Cet homme, je vais lui montrer. Je t'aiderai à l'achever. Cet homme me fera la vaisselle. C'est lui qui sera, comment on appelle ça? Mon laveur des assiettes ou machine à laver des assiettes. Non, il ne fera pas la vaisselle, on va le tuer. Ah, on va les tuer ensemble. Dieu va les humilier. Oh, Tobé, ça me fait de la joie de te voir heureux. Oh Dieu, aide-le. Oui, tanti. Hey. Je suis heureuse de te voir finalement quitter ce village pour la ville. Écoute, dès que tu arrives là-bas, sois vrai. Donne le meilleur de toi. Travaille jusqu'à ta dernière énergie. Ne permets pas à ces filles de la ville de te distraire. D'accord? Ne sois pas têtu. Sélectionne les amis avec qui tu vas vivre et ne te laisse pas me conduire par qui que ce soit. Biko. Hein? Ah, tanti, je sais que je suis têtu. Mais je sais aussi que je suis intelligent. Je sais. Même toi aussi, tu le sais, non? Tu sais que je suis un cerveau. Je le sais bien. Je sais que je suis un jeune travailleur. Je suis un garçon qui travaille dur. Tu es un grand bosseur. C'est correct, non? Un garçon qui travaille dur. Oui, c'est ça. Tant que je vais les choquer. Je ferai tout. Je ferai tout pour avoir de l'argent. Pas pour une quelconque raison, hein, Tanti, mais à cause de toi. Comme ça, je peux t'envoyer de l'argent. Sois sage. Non, de vraie somme. C'est 5000 naira, c'est pour le travail oui, de la gare. J'irai en ville, ouais, convoyeur, l'argent du convoyeur. J'irai en ville pour gagner assez d'argent. Je deviendrai riche. Je vais les choquer tous. Dieu va les choquer. Je vais les choquer tous. Je te crois. Et je reviendrai dans ce village, hein. Et quand je serai de retour, j'organiserai ma fête là dont je te parlais souvent. Je vais tuer des bœufs. Et quand je tue ces bœufs, personne dans ce village ne mangera, ça c'est sûr. Ils ne mangeront pas. Tanti, il faut que je m'en aille. Ok, laisse-moi t'accompagner. D'accord. Ce que je peux te dire est de prier pour moi. Je le ferai, bien sûr que oui. Patron, vous m'avez appelé. Ouais, J'espère que je n'ai rien fait de mal. Non. Tobé, je t'ai appelé... pour te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu sais, depuis que tu as commencé à travailler pour moi, mes affaires n'ont plus connu de faillite. Alors, je t'ai appelé ici afin de te récompenser. J'ai loué un appartement pour toi où tu habiteras toi-même. Hein? Et la voiture garée là-bas, en voici la clé. La voiture qui est garée là-bas est la tienne. Ouais. Patron. Ce n'est pas fini. Je vais te transférer 2 millions de naira tout de suite afin que tu puisses acheter tout ce que tu veux. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Patron. Madame, aidez-moi à le remercier. Calme-toi, Tobé. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer tes bonnes œuvres, ok? Merci, monsieur. Lève-toi, allez, ça va, Tobé, ça va, lève-toi, ça va. Lève-toi, c'est bon. Tu es une bonne personne. Tu es sérieux et digne de confiance. Ouais. Nous avons pris la décision de te ramener à n'importe quel niveau que tu voudras dans la vie. Ok? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, arrête, ça va, mon gars. Tu vois, il est content, on va pas le blâmer. Je sais, oui. Halt! Levez-vous, qui ici? Réveillez-vous!
C'est imbécile. Allez, levez-vous. Où est l'argent? Où est l'argent? Allez-vous. Où est l'argent? Levez-vous vite. Si vous n'avez pas l'argent, on va vous tuer. Nous l'argent. Vous mourrez aujourd'hui. Je vous dis, vite. Allez, levez-vous. Levez-vous. Allez, dépêche-toi. Attends. Bougez. Bougez. Allez. C'est bon. Bougez. Faites vite. Bougez. Vite. Allez. Fermez vos yeux. Ne bougez pas. Restez là. Ne bougez pas. Ferme les yeux. C'est l'argent. Des idiots. Des imbéciles. Elles sont parties. Chérie. Oh mon Dieu. Jésus. Détective, des voleuses armées viennent de quitter ma maison. Que tous les points de contrôle soient informés. Elles ont emporté l'argent de l'État à ma disposition, s'il vous plaît. Je voudrais que vous soyez ici très tôt demain matin, s'il vous plaît. Ça va aller, chérie, calme-toi. Je t'en prie, allez. Patron, je n'ai pas vu le portier là-bas. Hein. Savez-vous où il est allé? Ah, Tobé, viens un peu. Ah, détective, il est le seul qui soit au courant de cet argent avant le vol hier nuit. Hein? Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Allons tout de suite à la station pour l'interrogatoire. Monsieur, bougez un peu. Allez. On s'était fait attaquer par des voleurs hier. Et ils nous ont pris la somme de 5 millions de naira. Jésus-Christ. Et c'est toi le suspect. Madame, non, je ne suis pas un suspect. Madame, je ne sais rien de ce qui s'est passé. Mon gars, on bouge tout de suite. Bouge. Patron, qu'est-ce que vous dites, patron? Bouge. Allons à la station. Bouge patron, tout de suite. Patron, mais on pardon, patron. Patron. Avance vite. Patron. Avance, ne patron. Pas. Avance, dépêche. Vous êtes encerclé par la police. Passe-moi l'arme. Vous êtes des tarés. À la guerre comme à la guerre. Imbécile que vous êtes! De fous! Des zinzins! Vous n'allez pas nous intimider! On ne baissera pas les armes! Pas question de main en l'air! Tire-le! Tire-le! On m'a tout de suite! Sur la tête! Fou! Imbécile. Jamais. Jetez vite vos armes. Qu'est-ce que vous racontez? Vous perdez la tête. Vous pensez nous avoir... Avancez. Maintenant avancez. Dépêchez-vous. Avancez vite. On n'a pas que ça à faire. Allez, sortez de là. Avancez vite! Ne tentez surtout rien de brutal. Je vais vous exploser la tête sans hésiter. Allez, on se dépêche! Plus vite! Par là-bas, avancez! Avancez vite! Madame!
Allez, on avance. Avance par là. Bouge, bouge de là. Officier, libérez mon gars, s'il vous plaît. J'ai découvert qu'il n'a rien à voir dans ça. Ça me fait maintenant mal. S'il vous plaît, libérez-le immédiatement. J'enverrai le chauffeur pour venir le chercher. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tobé, je suis très désolé. Je suis désolé. Je connais maintenant la vérité. Désolé. Patron, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal jusqu'au fond de moi. Toute cette période passée avec vous, patron, vous ne me croyez toujours pas. Ah. Après tout ce que vous m'aviez même fait, vous m'aviez fait croire que j'ai une famille. Chez vous ici. Mais quand une petite, ton tension est arrivée, vous ne m'aviez plus cru. Tobé, écoute, je te fais une promesse. Je vais te faire voyager dans n'importe quel pays de ton choix. Un an de voyage, tu peux même aller avec toute personne que tu veux. S'il te plaît, je veux me rattraper. Je t'en supplie. Nous sommes désolés, Tobé. Nous sommes vraiment, vraiment désolés. S'il te plaît, pardonne-nous. Tu sais que nous t'aimons beaucoup. S'il te plaît. Tobé, tu ne me reprocherais pas, considérant les circonstances qui entourent toute la situation. Hein? Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que ma sœur a voyagé pour aller en ville, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle jusque-là. Aucun message. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas rester ici tout en prétendant que là-bas tout va bien pour ma sœur. Je crois vraiment qu'il faut que j'aille chercher ma sœur. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Je vais aller la chercher. Non, il faut que j'aille vraiment la chercher. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, puis-je vous aider? Je suis à la recherche de M. Chima. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Êtes-vous frère à une certaine demoiselle Kiruka? Oui, c'est elle qui t'envoie ici pour que tu m'emmènes en ville. Bien, pas vraiment. Votre sœur s'est fait tirer dessus en pleine tête le mardi dernier. Alors qu'elle était en train d'essayer de s'échapper avec l'argent qu'elle avait volé à un certain M. Chief Ego. Non, ça ne peut pas être ma sœur. Non, ma sœur n'est pas une voleuse. Elle n'est pas une voleuse. Elle n'a jamais volé. Ce n'est pas possible. Comment vous m'emmenez une telle nouvelle? Ce n'est pas ma sœur. Ce n'est pas ma sœur. Je vous dis la vérité. Vous avez peut-être confondu. Ce n'est pas ma sœur. Allez voir chez les voisins. Ce n'est pas ma sœur. Jeune homme. Je vous dis la vérité. Ce que je suis en train de vous dire n'est qu'il arrive. Non, c'est pas possible. Ok. Attends. Tu veux dire ma sœur Kiro est morte? Bien sûr qu'elle est morte. Et pour votre information, n'essayez même pas de réclamer son cadavre parce que il appartient maintenant au gouvernement. Non, vous ne nulle pas. Ma sœur n'est pas morte, c'est faux. Ma sœur n'est pas une voleuse. Elle n'est pas morte. C'est faux, vous mentez. Non, vous n'irez nulle part. Ma sœur n'est pas morte. Ce n'est pas possible. Non, ma sœur n'est pas morte. Je vous ai dit non. Ce n'est pas possible. Ma sœur n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte. Non. Non, ce n'est pas possible. Ma sœur ne peut pas mourir. Non, ma sœur ne peut pas mourir. Non, elle n'est pas morte. S'il vous plaît, est-ce que je peux voir son corps? S'il vous plaît, est-ce que je peux voir son corps? Allez-y, essayez toujours. Non, non, non. Non, ma soeur ne peut pas mourir. Ma soeur ne peut pas mourir. Non, c'est pas vrai. Ma soeur ne peut pas mourir. Non, non. Bien le bonjour, monsieur.
Salut, en quoi puis-je vous aider? Je suis le détective des Saints. Je crois qu'Angolais, c'est votre fille. Ouais. Désolé de vous le dire, monsieur. Votre fille était impliquée dans une affaire de cambriolage. Ma fille? Et elle sera bientôt jugée devant la loi. Vous pouvez toujours la représenter si vous voulez, hein. Officier! Non! Non! Ce n'est pas possible! Manzibé ne peut pas engendrer des voleurs armés. Non! Ambition. Je l'ai vu arriver, mais je ne l'ai pas pu arrêter. J'ai poussé ma fille dedans. Je suis responsable. Non!